Une journée pour rassembler et unir la jeunesse de Bobo-Dioulasso autour des initiatives de développement de la commune. La première édition de la Journée communale de la jeunesse se veut un cadre de dialogue pour renforcer la collaboration entre les organisations des jeunes et les autres forces vives de la commune. Des précisions sur l'activité à l'ouverture des travaux dans ce reportage de Kasumi Logo, Adama Julien Dambélé. La jeunesse comme fer de lance du développement communal. C'est tout l'enjeu de cette journée qui réunit environ 200 leaders des mouvements et associations de jeunes de la ville de Bobo-Dioulasso et autorités communales. Ce cadre se veut un tremplin pour susciter plus d'implication de cette frange aux différentes initiatives de développement local portées par la commune, notamment l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. À travers ce cadre-là, nous voudrons solliciter les jeunes afin qu'ils puissent apporter leur contribution à la mise en œuvre de cette initiative présidentielle, car la réussite dépend de l'engagement de tout un chacun, et en particulier les jeunes qui sont les plus nombreux de la commune. C'est une jeunesse qui est dynamique, tant sur tous les points, économique, au plan social, au plan culturel. Et donc pour toutes ces raisons, c'est de demander aux jeunes de continuer d'être les moteurs du développement qu'ils sont actuellement. Ce cadre de dialogue est une première dans la ville de Bobo-Dioulasso. Au menu, des communications suivies d'échanges qui devraient en principe permettre aux participants de mieux intégrer la vision des plus hautes autorités ainsi que celle de la délégation spéciale pour une meilleure mise en œuvre des actions et programmes de développement dans la commune de Bobo-Dioulasso. Ils sont déjà imprégnés des situations de la commune. Et c'est à eux maintenant de travailler vraiment à sensibiliser les camarades, à vraiment prendre part activement aux initiatives et aux actions de la commune. Il va de soi que la jeunesse puisse s'impliquer à toutes les initiatives de développement de cette commune-là et partant de tout le Burkina Faso. À l'occasion de cette journée communale de la jeunesse, les représentants de mouvements et d'associations n'ont pas manqué de rappeler aux autorités communales la nécessité d'œuvrer davantage à l'autonomisation socio-professionnelle des jeunes. C'est là pour la relance économique de Bobo-Dioulasso.